全てのユミルの民に継ぐ。俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、全てのユミルの民へ話しかけている。パラディ島にある全ての壁の硬質化が解かれ、その中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。しかし世界は、パラディ島の人々が死滅することを望み、この島のみならず、全てのユミルの民が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺はその望みを拒む。壁の巨人は、この島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命を、この世から駆逐するまで。Ce gros poulet là. Pardon, est-ce que tout va bien? Si les habitants du hameau t'ont demandé de venir me parler de... Je sais ce qu'il me reste à faire. Ce n'est pas tous les jours que l'on doit abattre son propre troll. Je devrais avoir un délai pour le faire. Comment ça, votre propre troll? Je pensais que c'est pour ça que tu étais là. Désolée. Ah. Quand on passe beaucoup de temps avec les trolls, on oublie les bonnes manières. Je suis Alexandra. Je ne voulais pas être impolie. Et avec la bande de Ranrog dans les parages, je pensais que le hameau pourrait bénéficier de défenses supplémentaires. Mais ça a mal tourné. Je me suis excusée quand il a failli piétiner la moitié du hameau hier. Il a simplement besoin de plus de temps. Mais tout le monde veut s'en débarrasser. Ils me prennent pour une folle à vouloir élever un troll. Ils pensent que c'est impossible. Il doit falloir beaucoup de courage pour essayer, je vous l'accorde. Merci. Ça fait plaisir à entendre. J'aurais aimé que les autres pensent pareil. Mais je comprends aussi leur inquiétude. Pourquoi ai-je pensé pouvoir le dresser? J'aurais dû faire plus attention à l'histoire de Barnabas le Follet. Mais c'est mon troll et mon problème. Pour être honnête, j'ai peur de ne pas être capable de m'occuper de lui. Il est plus fort que tous les trolls que j'ai rencontrés. Si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire. À quoi est-ce que vous entraîniez ce troll au juste? Eh bien, j'espérais pouvoir le dresser pour qu'il nous protège. Franchement, j'ai eu du mal à lui apprendre ne serait-ce qu'un mot ou deux. Je n'ai même pas pu lui apprendre un minimum de discipline. Qui est Barnabas le Follet? Tu l'as sûrement vu sur une tapisserie à Poudlard. C'est celle qui est accrochée dans le couloir du 7e étage. Il aurait essayé d'enseigner la danse classique à des trolls. Tu peux imaginer comment cela s'est terminé. Je ne suis pas très enthousiaste, mais je vais y réfléchir. Oh non! Je n'étais pas en train de suggérer que tu t'en occupes. D'ailleurs, tu devrais éviter la zone au sud-ouest d'ici. Du moins jusqu'à ce que je trouve le courage de faire le nécessaire. Merci de donner l'indication. Un troll en liberté. Et près de les choses pourraient mal tourner. Un gros troll là-bas. J'imagine que tu es l'ami d'Alexandra. Shinori. Répulsion. Arrête mon message. Ah, bien joué, putain. Arrête au moment. Ah, bien joué. Expelliarmus, Kifindo. Repulso. Hop, hop. Arrête au moment. Expelliarmus. Hop. Ah non. Normal, ça, je... À quoi? Ah, plus de réponse. Protégez-vous. Arrête au moment.
Attention. Hop. Protego. Stupéfixe. Hop. 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 Stupéfixe. Ah non, 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 j'ai raté. Hop. 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 Parfait. Hop, voilà. Allez, on... Oh non. Jusqu'au bon moment. Stupendo, classique, confringo. Hop, hop. Protego, stupéfix, stupendo. Voilà. Hop. Oh non, ah ouais, en fait, ça. Je sais parce que c'est chaud. Hop. Let's go, let's go. Hop. Hop. Go 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 go. Hop. On fait partir. Mais il fallait protéger le hameau de ce troll. Encore un en train de faire le tour du poulet, toi? C'est fait, Alexandra. Je me suis chargé de lui. De lui? De mon troll? Oh, je ne sais pas comment réagir. Merci. J'aurais aimé que ça se passe différemment pour lui. Vous ne pouviez pas faire grand-chose de plus. Il ne pouvait pas être dompté. Il ne pensait qu'à tuer. Juste ciel. Je suis contente que tu n'aies rien. Tu es si téméraire. Les gens du hameau avaient déjà préparé un surnom pour la personne qui finirait par vaincre mon... le troll. Quelque chose de troll, ou des trolls, il me semble. Le profondeur, j'aime bien. Oui, c'est ça. J'imagine que ce titre te revient maintenant. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi, mais merci infiniment pour ce que tu as fait. Yep, parfait. Le pourfendeur de trolls. Ça sonne bien. Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Quelle chance de tomber sur le pourfendeur, le tueur, le chuchoteur des trolls. Peu importe, je sais que vous serez à la hauteur. Moi, c'est Eddie Thistlewood, un ami qui habite Felcroft a besoin d'aide pour combattre les fidèles de Ranrock. J'ai envoyé deux caisses de choux mordeurs de Chine pour l'aider, mais elles ont disparu en chemin. Bonne idée. Il ne faut pas plaisanter avec ces choux. Je suis bien d'accord. Vous voyez, je connais bien les plantes. Et je pense que les gobelins seront si agacés de se faire attaquer par ces végétaux féroces qu'ils finiront par laisser Felcroft en paix. Peut-être pourriez-vous retrouver la trace de ces deux caisses et les livrer à mon ami Bernard Ndiaye. Je ne peux malheureusement pas quitter ma boutique pour le moment.
Savez-vous pourquoi les gobelins visent Feldcroft ? Mon ami Bernard dit qu'il rôde dans la région depuis un moment. Il pense qu'il recherche quelque chose. Mais dernièrement, ils deviennent plus agressifs. Y a-t-il un lieu où je peux trouver des choux mordeurs au lieu de les faire pousser ? C'est possible, oui. Mais cela prendrait du temps, et nous devons agir vite avec la menace des sbires de Ranrok qui augmente chaque jour. Et puis, c'est une question de principe. J'ai fait pousser ces choux, et ils sont extraordinaires. Vous savez où je pourrais trouver ces caisses ? Oui, d'après ce que j'ai entendu, on en a repéré une au sud de Feldcroft, l'autre serait au sud de Bourg-Garen, près de la rivière. Je vais apporter une récolte de choux mordeurs à votre ami dès que possible. Ah, merci. Je vais dire à Bernard qu'il va peut-être recevoir ses choux, finalement. Que proposez-vous à la vente ? Je suis convaincu que Feldcroft serait bien plus en sécurité s'il était protégé par des choux mordeurs de Chine. On dirait que Feldcroft est en péril. Je devrais peut-être apporter mon aide. Ça va m'être utile. Donne-moi ton argent, papy. Voilà. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Révelio. Cette caisse de choux mordeurs de Chine est quelque part dans ce campement. Je ne crois pas que tu étais là. Révelio. Le seul inconvénient quand... J'évite de passer à Arundel. Je n'aime pas tellement l'ambiance là-bas. Alors... Oh, c'est chic. Mais on n'y trouve jamais rien à... Hop. Oh, il est pas mort. Je vais pouvoir m'échapper, hein. Action! Excursion! Expelliarmus! C'est l'élève qui a volé le boom gobelin! Incendio! Aïe! Stylé ça! Ils savent que c'est moi qui a volé le truc gobelin! Voilà donc l'ange garde! Action! Incendio! Action! Incendio! Protego! Stupéfix! Parfait. Les créatures des anges. Révelio. Hop, un petit coffre ici. Collection botanique. Révelio. Œuf de Doxy, volé par des braconniers pour les utiliser dans des potions, ces œufs noirs appartiennent à un Doxy. Créature magique parfois confondue avec une fée. Oh. C'est bon pour la première caisse. Plus qu'une à trouver. Je comprends pourquoi Feldcroft a besoin d'aide. Les fidèles de Ranrok se cachent près de Feldcroft. Ce sont sûrement eux qui ont l'autre caisse de choux mordeurs de Chine. Voilà. Le rêve de Ranrok. Hop là. Ne m'atteigne pas. Hop. C'est l'élève qui a vaincu notre mort. Tu n'en tireras pas. Voilà. Confringo. Flipendo. Lassus.
Parfait. Hop, et on pille le camp. Revelio. Voilà, j'ai toutes les caisses de choux mordeurs de Chine. Maintenant, je dois retrouver l'ami de Monsieur Thistlewood à Feldcroft. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Bonjour. T'es vraiment pas loin du truc. Vous m'apportez bien le colis spécial de mon cher ami Eddie. On peut le chercher. Bonjour, Monsieur Ndiaye. C'est Eddie Thistlewood qui m'envoie. Oui, il m'a averti de votre venue. Vous avez les choux mordeurs de Chine? Oui, ils sont juste là. Merveilleux. Ils permettront de mieux protéger le hameau contre les fidèles de Ranrock. Ces mêmes vermines qui, à mon avis, les avaient interceptés en compagnie du groupe de Rockwood. Feldcroft a une dette immense envers vous et Eddie. Merci de votre aide. Est-ce que vous savez pourquoi les gobelins attaquent Feldcroft? Aucune idée. Au début, je croyais que c'était pour son emplacement stratégique, mais on dirait qu'il cherche quelque chose. Mais pour être tout à fait honnête, je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent bien chercher. Comment vous vous êtes rencontré avec Eddie? On s'est connus à Poudlard. Depuis, on est amis et désormais associés en affaires. Je n'ai pas été surpris de son hibou sur cette arnaque aux choux mordeurs de Chine. Il a toujours fait de son mieux pour venir en aide aux autres. Que proposez-vous à la vente? Enfin des renforts. Alors. J'espère que ça suffira pour arrêter les gobelins. Oh. C'est bien ça. Bon, j'ai acheté. Si ce que vous avez acheté vous satisfait, n'hésitez pas à revenir me voir. Hop. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. N'hésitez pas à revenir. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard. À votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préaulard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préaulard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Dieu, le vent. C'est bien que cette statue avait un truc bizarre. On était sûr. Permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préaulard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préaulard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme. Et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui. Une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré. Revelio. Avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi.
J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide, pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Olar prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elles m'affectaient tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Hein ? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec Alohomora, bien sûr. Mais, et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons ! Vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. C'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance et merci. Ok. Ah, allô, allô, moi. Et c'est parti. Hop. Et voilà, enfin, on l'apprend. Rebellion. Allô, Mora. Utiliser LR pour déposer les étincelles et faire pivoter. Ah ok, ça s'appelle la Batman. Ah c'est la Batman, ok. Bravo, c'est ouvert. Souvenez-vous, Réveillon. Avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite, malgré tout. Ah, pour voir direct ailleurs. Allô, Mora. Ok, elle sort en entrée. Parfait. Parfait ça. Hop. Oh le coffre. Stylé ça. On a pas le droit d'être là mais c'est stylé. En haut le truc. On profite pour fuir, hein. Alors... 14... Oh, il y a un coffre ici. Ah, niveau 2.
Revelio. Ok. C'est un préfet, lui. Tac. On va trouver le coffre plus tard. Décevant, je dois dire. Vraiment ? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre l'aconite et l'asphodèle. Oui, bon, il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Ah, vous dites cela chaque année. Revelio. J'ai hâte de voir les profs. C'était moi une seule. Les vieux sont là. Ouais, c'est comme ça pour l'instant. Ce doit être la salle de bain des préfets. Hop. On a trouvé. Et bah bingo. Ah, le truc de battement, j'étais bon. Hein. Hop, allez. Voilà. Revelio. Oh, des bulles! Allô, Mora. Hop! Ah, bingo! Et hop là! Un bon petit coffre! Sortir d'ici. C'est bon. Ah, c'est bon. Un mec avec un haut. Moi, je peux le faire déjà. Péril les amène jusqu'à moi. Je suppose que je devrais me remettre au travail.
travail. Vas-y, c'est quoi? Je voulais parier quelques galions sur Poufsouffle cette saison. Révélio. Je me connais en Paris, et Serre d'Aigle n'avait aucune chance. Pas cette année, en tout cas. Comment ça, qu'est-ce que c'était? J'ai cru entendre quelque chose. C'est un sport très honorable. Il représente tout ce qui compose. Révélio. C'est chaud, c'est chaud. Enfin, s'il y en a un. Moi j'ai... Ouh là là. C'était moi une... Ah je peux plus passer tant qu'il y a... Révélio. Allez bouge ton cul. Il va tourner ou pas? Je suis un peu bloqué à cause de lui. Allez mon coco. Révélio. Parfait. Révélio. Hop. Voilà. Boris le Hagard. Cette sorcière a l'air perdu, connu sous le nom de Boris le Hagard, déconcerte ses élèves depuis longtemps. Vient-il d'arriver ou est-il sur le départ? Est-ce en début ou en fin de journée? Mystère reste entier. Tac, tac, tac. Révélio. Confringo. Carapace de tortue incrustée de pierres précieuses. Mmh. Ça. Oh là là, parfait. Révélio. Quoi de cette chambre là? Ah, chérie.
c'est quoi de ces gens, mais. Revelio. Araignée est 5. Araignée c'est 8. 8 et 5. Bah 0 du coup. Plus de 10, 8 plus 3, 11. Plus 4. Ah donc 0. C'est. Tac. 3 et 3 et 2, 5. 5, il me faut 9. 9, c'est le dernier truc, la multitête là. Voilà, normalement ça devrait être bon. Let's go! Ah merde. Revelio. Hop. Licorne, parfait. Oh, sans mystique pour. Eh ben parfait ça. Pour ça, je vais te charger aussi. Revelio. Hop, t'as entendu un truc au fond là. J'ai juste chaud. Moi j'ai pas pris trop de temps. Oh let's go. On prend. Bonjour. Parfait. Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Préolard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intrigant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver ? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide. En effet, apportez-moi suffisamment de lunes et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alohomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Let's go. Partante pour un petit plongeon ? Oh là là, non. Même si je commence à me dire que je dois vraiment apprendre à nager. C'est difficile de servir d'interlocutrice aux êtres de l'eau quand on ne sait pas nager. Tu sers d'interlocutrice pour les êtres de l'eau ? Eh bien, techniquement, non. Enfin, pas encore. Ce poste n'existe pas pour le moment, mais je compte bien changer ça. Au fait, je m'appelle Nerida. Nerida Roberts. Nous n'avons encore eu l'occasion de nous présenter, mais nous nous sommes livrés un duel au club de joute magique. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te voir. Moi de même.
Tu as l'air de t'intéresser de près aux êtres de l'eau. C'est le cas. Et ils sont aussi incompris et méprisés par les sorciers que les gobelins et les centaures. Puisque les gobelins et les centaures ont des interlocuteurs au ministère, il serait normal que les êtres de l'eau en aient un eux aussi. Je suis impressionné. Établir une relation avec les êtres de l'eau est une bonne idée. Vraiment ? Ah, oh, merci. Bien sûr, je n'ai encore rien fait pour l'instant. Je leur ai offert un cadeau il y a quelques semaines, et ils comptaient m'en laisser un à leur tour, dans l'une de leurs grottes, pour la réciprocité et pour m'inviter à venir les voir. J'ai essayé de leur dire que je ne savais pas nager, mais je crains de m'être mal exprimée. La langue aquatique est vraiment complexe. Pourquoi les sorciers n'ont-ils que peu de relations avec les êtres de l'eau ? Eh bien, nous avons toujours considéré que les êtres de l'eau nous étaient inférieurs, malgré les nombreuses similitudes qui existent entre nos cultures. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir refusé le statut d'être que leur a proposé le ministère. Qui sommes-nous pour classifier des créatures si belles et si intelligentes ? Qu'est-ce que ça changerait si tu endossais ce rôle d'interlocutrice ? Ah, tellement de choses. Je veux absolument tout savoir sur eux. Quand je saurai nager, je compte me perfectionner en langue aquatique, bien sûr. Et je leur apprendrai tout ce qu'ils souhaitent savoir sur les sorciers. J'ai bon espoir qu'en apprenant à nous connaître, nos deux sociétés pourront évoluer. Que penses-tu pouvoir tirer de l'étude d'un de leurs objets ? Oh, tu n'imagines même pas à quel point ils sont fascinants. Si l'on en croit la rumeur, des contes à leur sujet sont même parvenus aux oreilles des moldus. Les plus anciens êtres de l'eau connus, les sirènes, viennent de Grèce. Et bien sûr, l'Écosse a des Selkies et l'Irlande des Merrow. J'aurais tant de choses à raconter. Sur leurs incroyables communautés aquatiques, la domestication de la faune marine, leur art, leur musique. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas mieux compris. Moi, je sais nager et je peux t'aider, si tu veux. Tu ferais vraiment ça ? Oh, merci. Merci, merci, merci ! Je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que je rejette leur cadeau. La diplomatie, c'est un art plutôt délicat. Sauf erreur de ma part, tu devrais pouvoir atteindre leur grotte en plongeant à cet endroit précis. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. Un jour, je pourrai voir ça de mes yeux. J'en suis sûre. À propos de ce dont on a parlé, Nerida. Les aides. Je préférerais... Voilà. Cet endroit est incroyable. Est-ce que les êtres de l'eau ont vraiment laissé un artefact à Nerida ? Hop, il va falloir ouvrir la porte. Faut prendre... Ah, ok. Incendio ! Bien. Tu vas devoir me suivre. Tu peux pas venir avec moi ? Je dois trouver les autres. Confringo ! Incendio ! Lumos ! Voilà. Lumos. Revelio. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nerida sera contente. La vache. Hop là. Et voilà. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Tu seras heureuse d'apprendre que ton cadeau aux êtres de l'eau est bien arrivé. Oh, c'est une fabuleuse nouvelle. J'avais peur de l'y avoir laissé trop longtemps et de les avoir offensés. La relation que nous entretenons avec eux est déjà si fragile. Je t'ai aussi rapporté une pièce à étudier. Par la barbe de Merlin. C'est merveilleux. Je vais le montrer à tout le monde, même au ministère. Tu penses que je devrais l'y apporter en personne ou envoyer un hibou ? Merci encore, merci beaucoup.
Tu viens peut-être de contribuer à l'amélioration des relations entre les sorciers et les êtres de l'eau pour les décennies à venir. J'ai vraiment hâte de l'étudier. Parfait. If you wanted to make yourself more useful, you could try wearing something a little more fun and festive, or pretend to be a ghost to entertain the kids. You know, liven up the atmosphere. I can't just... Yoimiya, they've already run off. Huh? Hey!